Autoplus.com, le site numéro 1 de l'équipement motard et moto. À quelques jours de ton départ pour Las Vegas. Exactement. Tu te sens comment? Bah content. Ouais. On peut pas se sentir autrement, quoi. Je suis vraiment ouais, ça fait plaisir d'y aller, quoi. Ouais. Bon. Et donc le samedi 14 novembre, tu courais au Supercross de Lille lors de la magnifique course de guidon qu'on a organisée. Écoute, je te propose de revoir quelques images de cette course et on revient tout de suite sur tes exploits. Pas de problème. Du coup, revoir ces images, qu'est-ce que ça te fait? Ça te rappelle de bons souvenirs ou des souvenirs très très durs? Très très dur. C'est, physiquement, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit dur comme ça, avec les bosses à monter et tout ça, les oups, c'était vraiment compliqué. Mais quand on voit ça, ça fait quand même relativement plaisir de gagner une course comme ça. C'était un petit délire à la base et pour finir, ça finit bien quand ça va à Vegas, quoi, c'est le top. Et alors, pas trop stressant de courir devant 25 000 personnes? Ah bah si, surtout la pression que j'ai eue juste avant, 2-3 jours avant, j'ai eu le malheur de dire que j'allais participer à cette course sur Facebook, à un copain à moi, et puis là, bah, ça s'est enclenché, quoi. Donc ça n'a pas arrêté sur Facebook, tout le monde m'encourageait, hein. C'était quand même sympathique et tout ça, et puis moi je pense que ça m'a un peu motivé d'ailleurs pour la course, quand je me suis trouvé sur la ligne de départ, j'ai dit bah maintenant, faut y aller, quoi. Faut y aller. Bon alors Michel, voilà. On s'était dit que tu étais un homme de défi parce que le 14 novembre tu as relevé quand même un beau challenge. Ouais. Est-ce que ça te dirait de relever un challenge pour nous? Pourquoi pas? Je te propose de placer à 5 endroits phares de Las Vegas ce magnifique logo qui est le nôtre. D'accord. Non en fait. Attends, ça c'est trop facile. On va te faire placer un autre logo. Et si tu le places donc à ces 5 endroits, tu auras l'occasion de rencontrer Marvin Musquin et Christophe Porcel sur place, juste cool. Avant la finale. C'est cool. Tu pourras échanger avec eux. Donc, ce petit logo qu'on va te faire placer, il a une petite taille. Et voilà. Ça va être compliqué. Là. Donc on te laisse le choix des emplacements. Hein. D'accord. Il y a des endroits phares, je te laisserai chercher. Ouais, je les ai déjà un peu en tête. Hein. Est-ce que tu relèves le challenge? Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça va être sympa. Je relève le défi. Ah bah merci, on a hâte de voir. Donc alors Michel, est-ce que tu es prêt à relever le défi? Je vais le relever. Je vais le relever avec une bonne efficacité. Je vais essayer. Et puis en tout cas, je vous remercie du bon accueil. Je remercie Moto Blues, le Big USA pour le fabuleux voyage. Et puis je vous raconterai ça en rentrant. Ça marche, merci.